Skyboo, ici le clutch, 1v3, en situation de retake, peut-être emporté sur son flanc, le turn énorme de Sky. La pression vers le VP qui se fait prendre dans le back par Momo. Encore une fois Momo, le héros sur son round. Bah, il va tenter de sortir, joli le kill pris sur Raven, mais très bien joué ce clutch ici de la part de Juice. Et White Shark qui ne rate pas son duel en plus de ça, il y va. Non, topic Mustapha, le premier kill qui passe, ça, peut-être le deuxième. Mustapha, monstrueux. Pas deux HP. Oh, ils ont réussi à le faire. Très bien joué de la part des Français, 3-3, c'est exactement le round qu'il leur fallait pour pouvoir prétendre encore espérer une finale. Les amis, vous l'avez vu, la Team Insanity pour nous, c'est fini. C'est fini, c'est un grand mot. Effectivement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous passons sous structure, nous passons du côté, entre guillemets, professionnel de la force. Vous nous verrez désormais représenter le tag Requiem. On a été enveloppé par une structure, ça veut dire pour nous que beaucoup de choses se déclenchent tout simplement. On aura un suivi sur les LAN, on a vraiment quelque chose à représenter entre guillemets lors des compétitions et tout. Alors je suis un peu désolé, c'est vrai que je sais pas trop comment aborder la question parce que ça me perturbe dans le sens où la Team Insanity c'était mon projet. C'était mon petit bébé, c'était voilà, mon équipe de casual que j'ai montée. Et puis au fur et à mesure, on a gravi les échelons et aujourd'hui, on intègre une structure. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment que d'intégrer une structure? Ben déjà, ça veut dire que, comme dit, le tag Insanity n'existe plus. La Team Insanity ne sera plus représentée en compétition. Je garde mon équipe, mais dorénavant, les TI que vous verrez, ce seront des membres de mon équipe, des amis, c'est ma petite famille, mais c'est le côté casual de l'équipe. Donc, je suis un gros big up à Subrosa, à Izaro, à KS6K, qui sont tout simplement TI, tout comme moi, je le reste dans le cœur, hein, comme dit, mais le tag que je représenterai, c'est Requiem. Donc, on va faire notre dernière compétition, notre dernier qualifier de la Six Cup sous le tag Team Insanity. Et après, on représentera Requiem. Donc, je sais que ça fait bizarre, mais voilà, on évolue, ça fait partie d'un processus normal d'une équipe compétitive. On passe à autre chose, on évolue. Donc, je vais recevoir, entre guillemets, mon maillot pro dans pas longtemps. Je vous ferai une vidéo dessus où je vous la présenterai, vous inquiétez pas. J'aurai mon maillot, Requiem, avec notre partenaire Burn Controller, où j'aurai mon petit pseudo dans le dos. Donc voilà, quand on sera assis sur une chaise en LAN, on aura un joli petit maillot à représenter tout simplement. Je sais, ça fait bizarre, ça doit perturber des gens, mais je pense que vous n'êtes pas aussi perturbés et contents que nous, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose de significatif pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou s'il y a parmi les gens qui me regardent des gens qui sont déjà sous structure dans d'autres jeux ou quoi que ce soit. Mais c'est un sentiment que j'avais pas ressenti depuis, par exemple, Ghost Recon Phantom, où j'avais monté mon truc et qu'on était monté très loin dans la compétition. Là, on est arrivé sur R6 en retard après tout le monde et en un an de boulot, on a entre guillemets réussi à rattraper à peu près la moyenne des joueurs compétitifs. Voilà, donc il y aura encore beaucoup de boulot. En début d'année, que vous le sachiez, on va tenter les championnats du monde, donc les Six Invitational. On va tenter les prochaines qualifiers à la Challenger League. Il y a plein de choses qui se déclenchent comme ça. Lundi, vous aurez peut-être une surprise. Je vais peut-être commenter la Challenger League avec Fio. Je vous tiens au courant de tout ça. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent. Ça évolue. Je suis vraiment très content. Et je me réservais, entre guillemets, la surprise que de vous l'annoncer. Alors, j'ai fait un petit spoiler hier soir en live auprès des 300 personnes qui me suivaient encore vers 2h du matin. Donc, ils étaient très contents d'avoir eu un petit morceau. Big up à eux. Je n'ai rien vu sur Twitter, je leur avais demandé de garder le secret et ça a été fait, donc ça me fait très très plaisir, je vous fais tous des bisous, vous êtes extraordinaires et voilà, je sais pas trop quoi dire, je suis très très content, donc dorénavant, les prochaines compétitions vous nous verrez sous le tag Requiem. Alors encore une fois, je tiens à rester clair, je tiens à être au clair avec tout le monde, la Team Insanity c'est fini en compétition, hein, vous la verrez plus, ça c'est clair et net, mais je reste TI, donc les TI que vous verrez en jeu, les points TI en majuscule, ça reste mon équipe, ça reste mes potes, ça reste mes amis, donc voilà, il y en a plein qui se demandent si les TI c'est des fakes et tout, maintenant que vous êtes habitué à Juice, maintenant que vous êtes habitué à Skyboo, à Momof, à Mustapha, donc voilà,
c'est ma grosse line-up compète, vous êtes habitué à cela, et quand vous voyez d'autres TI, vous demandez souvent, ouais, on m'a même déjà posé la question sur Twitter, est-ce que ces gars-là sont des fakes? Non, c'est les membres de mon équipe, on est bien d'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent, ça me fait plaisir de partager ça avec vous, je suis un peu, genre, content et embarrassé en même temps, vous voyez, je sais pas trop quoi dire, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée générale de cette vidéo, c'était de vous avertir et de vous présenter un peu tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit montage, de cette petite introduction, et surtout, à laisser un énorme pouce bleu si vous êtes aussi content que moi. Je sais qu'il y aura des déçus un petit peu dans les commentaires, parce qu'on a commencé sous TI, je vous ai appris plein de choses sous le tag TI, vous avez vu les débuts en compétition de la Team Insanity, mais c'est normal, hein, c'est normal. Je veux dire, les Young Teeth sont devenus Millennium, les Ents, avant d'être Ents, ils n'étaient pas Ents, maintenant en plus, il y en a d'autres qui sont passés, comment dire, avant, comment ils s'appelaient de nouveau? Je sais même plus comment ils s'appelaient avant, du coup ils ont changé de pseudo, ils sont devenus Ents. Je veux dire maintenant c'est pareil, Elevate c'est devenu Rogue Gaming, enfin plein de mouvements comme ça. J'ai peut-être dit une bêtise, mais je suis un peu perdu, j'ai un petit peu fêté ça, je suis très content. Enfin voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je suis vraiment très content que de vous annoncer ça ici. Vous aurez eu deux vidéos aujourd'hui, ça me fait plaisir, je suis content, c'est cadeau, c'est bonus. Vous pouvez prendre ça comme une petite vidéo bonus, et puis abonnez-vous, restez au courant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'était White, et puis... Requiem.